voilà, ce prince Sarch, très beau cheval, est allons à découvrir au Haras du Broussard chez Gérard Russon qui nous présente lui-même son cheval. Oui, pourquoi? Déjà, c'est un fils de Arch. Alors, qui est Arch? On va l'avancer un petit peu, Gérard. On va le faire marcher pour l'instant. Voilà, qui est Arch? Eh bien, c'est un des plus grands étalons américains, Arch, magnifique cheval également, tout noir, qui fait la monte à plus de 50 000 $ dans le grand haras de Claiborne aux États-Unis, c'est dans le Kentucky, et c'est le père notamment de Blame. Blame qui s'est rendu célèbre pour avoir battu Zenyatta, la craque invaincue et jusque-là invincible Zenyatta dans l'édition 2010, pas trop loin Gérard, bon, oui, l'édition 2010 de la Breeders' Cup classique. Voilà Arch, donc un étalon extrêmement influent aux États-Unis et qui nous délègue un seul étalon en France, et bien c'est ce prince Arch qui lui-même a gagné groupe 1 aux États-Unis. Et voilà, nous voici avec un gagnant de groupe 1 en plat aux États-Unis. Alors là, pour l'instant, je vous parle beaucoup de l'Amérique. L'Amérique, cela vous semble loin, mais bien plus près d'ici. On peut remarquer que ce prince Arch, à la base, en fait, possède une origine parfaitement anglaise. Puisque son frère, il a un frère qui a gagné groupe 1 à 2 ans, hop là, qui a gagné groupe 1 à 2 ans en Angleterre. La première était chez François Bataille à l'époque, elle a gagné 2 listed, tandis que la troisième mère a gagné les Fred Darling Stakes, un groupe d'or en Angleterre, et une sœur de la craque de son époque, Altesse Royale, qui avait gagné les Oaks, après les Guinées. Voilà, le haras du Broussard nous présente Prince Arch avec Gérard Husson.